Bonjour, bonjour les turfistes, nous revoyons le prix de Fos-sur-Mer qui s'est disputé le 20 décembre à Vincennes. C'est Shadowgar qui a gagné, drivé par David Thomas, au pied levé d'ailleurs, devant Bolloise Girl, Bolloise au fort, pardon, Sebel Lake Park. J'ai vraiment bien aimé sa course. Biffy de Guez, courageuse, quatrième Esta Salita. Ah là là, avec les bottines blanches, c'est Sebel Lake Park. Elle va bien finir. Quand elle va voir le jour, je pense que c'est une jument de qualité. Bolloise Girl, moi, m'a un peu déçu. Je pensais qu'avec le parcours qu'elle a eu en tête et pas attaqué, elle aurait pu aller plus loin. Bon, elle va voir dans son dos Shadowgar qui va avoir le bon parcours. Mais bon, voilà. Je m'attendais à mieux de sa part quand même. Bylphie de Guès, elle fait un bon début de meeting, mais là, elle montait de catégorie. Elle est courageuse quatrième. Pas mal. Mais franchement, la bonne note, c'est Sebel Lake Park, l'italienne. Elle est là en deuxième position le long de la corde. Elle va reculer au gré des relais. C'est l'autre italienne, Sydney Fay, qui a pris la tête. Elle va s'enlever dans le dernier tournant, je pense. Sebel Lake Park se retrouve sur une quatrième ligne. Et Bolloise au fort va arriver, prendre la tête. Elle va pouvoir mener un rythme régulier, sans plus, sans être attaquée. Donc, elle est battue sur un sprint par une Italienne qui l'a pistée. Voilà, Bolloise Girl, elle a pris la tête. Et avec les relais, l'Italienne Sebel Lake Park, elle se retrouve au milieu du paquet sur une cinquième ligne le long de la corde. C'est pas la meilleure position. On accélère. En troisième épaisseur, il va y avoir une attaque. Là, c'est Bylphie de Guez qui va se rapprocher. Avec Bodega Chenvière, qui ne pourra pas tenir ce rythme-là. Elle va s'écarter dans le dernier tournant. L'intersection des pistes. Tout va bien pour Bolloise au fort. Elle entre en tête dans le dernier tournant et dans la ligne droite. Elle a dans son dos Shadow Gare. Bazir donne tout. Ça va être un peu peu. Et la casaque bleue sur une quatrième ligne, c'est Sebel Lake Park. Elle va venir prendre la troisième place dans une très belle action à reprendre. Shadowgar a déboîté. Elle va venir battre Bolloise au fort assez facilement finalement. Et le long de la corde. Sebel Lake Park termine vraiment bien et elle vient facilement prendre la troisième place à Biffy de Guez. Très bonne note cette italienne à suivre en confiance. Voilà la Turfiste, à bientôt pour de nouveaux enregistrements.